Dieu me dit qu'il faut prier pour ça. Et le Seigneur me dit pour cela. Il y a quelque chose et ça ne m'a bien dit. Et le Seigneur m'a dit quelque chose qui ne m'a pas bien fait. Le Seigneur me fait voir dans ses mains sœurs, dans mon île et l'île. Je vis l'ombre. Mais l'île est qui à moi dans moi. Il y avait l'ombre d'une maman. D'une maman. Le Seigneur me dit qu'il faut beaucoup prier. Nous avons tous semblé la bonne. Et Dieu est étoile pour ta famille. Que vos amis étoile pour la liberté. Et en force, ma casse et la résistance devant toi. Et en gouillant, vous êtes les mêmes là. Mais tu réussiras. Mais nous avons dit que vous réussissez la vie. Il faut qu'on en ait cassé dans un. Il faut que tu t'attaches au Seigneur. Le Seigneur me dit que tu vas prier pendant 3 jours. Nous avons dit que vous êtes la micro-mise à ton apôtre. À la fin, tu vas chercher une offrande de sacrifice que tu vas donner. L'Esprit te dit. La parole de l'Éternel sur toi. L'Éternel me dit, dans peu de temps, il va te récompenser. On me fait voir un tableau m'a commis la récompense des justes. Mon tableau m'a commis. Dieu va t'honorer. Nzambe a honoré. Amen. Il va t'honorer. Amen. Il va t'honorer. Nzambe a honoré. Ainsi parle l'Éternel. Il me dit. Amen. Il va t'honorer. Nzambe a honoré. À cause de ce que Dieu est en train de faire pour Dieu. À cause de ce que Dieu est en train de faire. Le Seigneur a épargné la mort dans ta famille. Nzambe a longolé tout ce qui est en train de faire. Précisément dans la famille de votre mère. Côté à maman. Au moment où je parle. Le Seigneur me fait voir quelqu'un. Il est malade. Sa santé n'est pas bonne. Santé n'est pas malade. Mais à cause de la présence de mon aura. On a présence, à cause de la présence ici, il est sur les pasteurs. Viens. Donne-moi tes demandes. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur agisse dans ma vie? Est-ce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Je suis comme ça. Nous avons appelé dans le domaine un miracle. Le Seigneur m'a appelé dans le domaine. Dans mon ministère, Dieu a visité 7 morts. Nous avons visité 7 dans le ministère. Si tu viens dans mon église, tu verras des chaises courantes, de béquilles, de ébélées. Si tu viens dans mon église, tu vas trouver beaucoup de béquilles et de plusieurs. Dis-moi ce que tu veux que Dieu fasse et tu recevras aujourd'hui. José. Il y a quelqu'un qui s'appelle José. Dans la famille paternelle, il y a quelqu'un qui s'appelle José. Reçois, viens de moi.
Venez, venez. Merci, Saint-Esprit. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Oh my God. C'est fort. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce. Que le Seigneur te récompense. Qu'il te donne ce que tu as besoin. La Bible dit qu'il accomplit les désirs de ce qu'il a créé. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Reçois le mariage. Reçois le voyage. Reçois ce que tu cherches. Reçois ce que tu as besoin. Je chasse l'instabilité dans ta vie. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Et Dieu qui m'a donné des passer, qui m'a donné des voitures, assez de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu bénit ma vie. Reste avec ça pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, Dieu bénit. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Talama. Nous, nous sommes tous sapés là. Est-ce que nous prions? Il y a des choses que je vais. Non, on ne parle pas de ça. Le Seigneur me dit, ensemble, il y en a tout. Tant que au nom de Jésus. Dans les discours de Jésus. Tu dois commencer à acclamer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus en acclamant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus en acclamant. Prions aujourd'hui. Alors quand je dis commence à prier, non, tu prieras en acclamant de toi. Amen. Amen. Dis Amen. Nous allons nous lever contre toute personne qui s'est dressée contre nos vies pour empêcher les bonnes opportunités, pour empêcher les bonnes choses dans sa vie. Nous nous dresserons contre ces personnes. Amen. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi j'aime la prière. Amen. Est-ce que vous m'avez dit tu dis ça à l'acclamant. Ce que je suis aujourd'hui. Quand c'est la prière. Au nom de Jésus, tu n'as pas les mains. Ma force, c'est la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Donc, au nom de Jésus. Je vais la faire, 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 je vais la faire,
Le Seigneur m'a dit, il y a des gens ici. Dans le sang de leur famille, il y a des choses, de mauvaises choses qui se passent. Ma soeur, le Seigneur m'a dit, il faut beaucoup prier. Dans le sang de votre famille, il y a un problème sérieux. Il y a quelque chose qui coule dans votre sang familial. Le Seigneur m'a dit, il faut beaucoup prier. Et l'eau qui coule dans la matinée, il y a une réalité, une déception. Surtout dans le domaine de Mibal. Le Seigneur m'a dit, il faut beaucoup prier pour ça. Dans la déception. Le Seigneur m'a dit, il faut beaucoup prier pour ça. C'est dans votre sang et coulant dans la déception. Surtout dans le domaine de Mibal. Moi, c'est que vous avez un mobile, mais les mobiles, on a un décevant, même il y a un comprendre. À saler l'eau, tu as soigné, tu as salé ma bémote, mais mobile a décevant. Donc, mobile a aucun lien, même mon ingana, mobile a aucun lien, même mon toile. Donc, le Seigneur me dit, dans votre sang, il y a quelque chose qui coule à la déception, n'est-ce pas? Donc, oui, bien, très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Le bas, au nom de Jésus. Non, que je m'attends. Le bas, au nom de Jésus. Le bas, est loin qu'on y en sort. Instabilité permanente. Dieu m'a dit, il y a certaines personnes ici, ce qui marche dans leur sang, c'est l'instabilité, le chômage. Oui. Nama qui l'a famille la Bible. Le sang de votre famille. Mon Dieu. Oh 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 oh. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Amen. Il y a certaines personnes qui sont ici dans le corps de la famille à madame Nanga. Bah mon famille, bah moi là où ils coulent des années divorce, bah coco va divorcer, bah maman va divorcer, même maman et madame n'en a pas divorcé. Comme dans la famille du prophète. Papa et bah madame n'en a jamais parlé ni à mi balé. Mobile n'a liboso, bah là n'a casé qui moi amouké, bah divorcé. Après 2 ans de mariage, bah divorcé. Même réalité on a eu moi l'ingé là n'en a pas madame. Après 2 ans de mariage, n'a commencé la décision à divorcer. Parce que la famille n'a pas voulu retourner avec sa divorce. Maintenant, la cire montagne, maintenant, la longue maille, c'est ça un guerrier. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Le au nom de Jésus, c'est le cognon. On est à la maquille, la famille, la famille, la famille, tout ce qui se dit dans ton cœur, tout ce qui se dit dans ton cœur,
marche pas dans votre famille. Nous dans notre famille, tous les hommes dépendent de femmes. Nous dans notre famille, ceux qui ont de l'argent, ce sont des femmes. Et puis famille mobile ça va diriger la banane. Et toute une famille est dirigée par les femmes. Mais en zéra nan nzamba et pour le prophète il y a dit je suis le seul moi na mobali ko na famille, on a famille à azala stable pas. Je suis le premier homme de la famille qui est stable. Na someli famille lupang. J'ai acheté une parcelle pour la famille. Je suis le seul. Je suis le seul. Petit frère, voilà, n'inga, aujourd'hui qu'il est Canada, il y a cela deux mois. Le petit frère qui me suit, il est en voyage au Canada. Petite sœur, oh mon sou. Petite sœur aussi. Côté maman, n'inga, n'azo celle va démarche pour qu'il est Canada, bah il est au sein de lui-même. La personne est punition, la personne a dit au fan d'abord. Le prophète faisait les démarches pour qu'il voyage aussi en Canada, mais il a tombé enceinte. Dans votre famille, qu'est-ce qui ne mange pas? Dans votre famille, qu'est-ce qui ne mange pas? Bah limite à bino nani. Il y a ma famille nous sous son bal. Bah mariage religieux, tu vas souka naba, bah souka naba prédote. Il y a d'autres familles. On a tous une famille, bah on ne va pas faire ma fan d'abord à Libala, y a quatre femmes. Non, on a tout compris ça. Les locaux va limiter notre famille au yoga. Je vais traverser les limites. Je vais traverser les limites. Amen. Amen. Tu maîtrises bien la femme de votre père. Vous maîtrisez bien la femme de votre père. Vous maîtrisez mal mon famille à papa. Vous maîtrisez bien la famille de votre père. Hein? Vous maîtrisez bien la famille de votre père. Je vous parle. Hein? Très bien. Tu maîtrises bien. Dans la famille de votre père, il y a quelque chose de très sérieux. Il y a des choses très sérieuses. Je vois, le Seigneur me dit, il y a une force de la sorcellerie. Dans la famille précisément de votre père. Je vois même dans la famille de votre père, il y avait des gens qui avaient le pouvoir, moi, il y avait un chef coutumier. Donc il y avait des gens qui avaient le pouvoir de ancestral, des choses comme ça, ancestral. C'est ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit, tu dois beaucoup prier. Ton combat, les autres, ça vient de la famille de ton père. Ok, là. Et si tu ne pries pas, si tu ne prends pas le temps de prier, il y en a ma cambo aussi matin à vie. Donc, si tu n'auras pas le temps de prier, il n'y aura pas de choses qui vont marcher dans ta vie. Parce que quelqu'un peut prier avec moi. Amen. Ce que je dis, c'est ce que l'Esprit me dit. J'ai fait plus de 18 ans dans le domaine prophétique. Tout ce que j'ai dit, c'est l'Esprit qui dit. L'Esprit me dit, tu vas beaucoup.